Merci. Je pense qu'on fera la discussion ensuite. On va accueillir le professeur Sophie Géorgin-Lavial qui va nous présenter l'ensemble des formes rares d'amylose héréditaire. Je vais prendre un micro. Comme on est en post-prandial, j'ai décidé de faire un truc un tout petit peu interactif, mais ne vous inquiétez pas, on va tenir dans les temps. Hop, donc normalement, ça devrait le faire. Voilà, ça marche. Hop. Donc on avait décidé pour cette année de parler un petit peu des amyloses héréditaires rares, et notamment à la demande de certaines de mes patients, qui ont une forme rare et dont on parle probablement pas suffisamment. Du coup, je vais vous demander si vous voulez jouer de soit scanner ce flash code, soit d'aller sur le site hookla.com et rentrer le code événement qui figure ici, GJCZIK, et qui sera à nouveau sur les petites diapos de quiz et à 3-4 quiz. Donc je laisse. Il y a déjà 19 joueurs que je remercie. Est-ce que dans les membres du panel à ma droite, panel est approprié, il y a des joueurs? Est-ce que Laurent, tu veux jouer? Sophie, je ne sais pas si je l'autorise à jouer. Ah bah c'est une très bonne chose. Donc on a 39 joueurs, donc on attend encore 10 secondes. Je vois que ça va de plus en plus vite, c'est bien. Il y a peut-être des joueurs en ligne. Donc j'avance et de toute façon sur les diapos, il y aura marqué le code. Voilà, donc là, c'est le premier quiz. Avez-vous déjà vu ou suivi, je parle aux médecins qui sont là, une amylose héréditaire rare hors TTR? Donc les cardiologues, s'il vous plaît, ne cochez pas oui. Donc vous avez le choix entre oui, non, virgule, pas encore, ou bien je ne sais pas ce que c'est. Vous avez le droit de choisir la 3. Donc amylose héréditaire rare, non TTR. Donc pour l'instant, tout le monde n'a pas encore joué. Il n'y a que même pas la moitié des gens qui ont joué. Alors il suffit d'aller sur tout en haut, il y a marqué wooklab.com. Et ensuite, le code, il est marqué en haut de la diapo, c'est GJCZIK. Donc pour l'instant, nous avons 50 votants et une majorité de personnes qui n'ont pas encore vu ou suivi de patients avec une amylose héréditaire rare, et quelques courageux qui disent qu'ils ne savent pas ce que c'est. Je vous remercie. Donc on va passer à la diapositive suivante. Ah, quelques personnes qui remontent la moyenne, donc on est à peu près à moitié. Donc c'est très simple, j'ai fait qu'une seule diapo. Ce sont des dépôts d'une protéine anormale, donc amyloïdogène, on est dans la journée, par mutation d'un gène. La plus fréquente que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est la mutation de la transthyrétine. Donc on dit ATTR, et il y a d'autres formes rares avec d'autres gènes qui sont mutés et qui, là je vais parler des formes d'amylose systémique qui vont toucher plusieurs organes et qui vont donc être responsables de manifestations sévères comme la patiente qui a témoigné tout à l'heure. Celles qui sont en cause, je ne vais pas les lire là, je vais les lire sur une diapo après parce que ce sera mieux écrit. Alors, combien d'amylose héréditaire rare y a-t-il selon vous? Une, trois, une dizaine environ et une centaine environ? J'ai fait très simple. On va laisser. Sophie, qu'est-ce que tu penses de la réponse 4? Comment? Qu'est-ce que tu penses des 43% qui ont coché 4? Ils pensent qu'il y a une centaine d'amyloses héréditaires rares systémiques. Alors, Sophie n'a pas l'air d'accord, donc je ne suis pas sûre qu'il faille cocher la 4. Personne n'a coché la 1. Donc... Ou bien il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas. Voilà. Donc, elle a donné la bonne réponse. C'était bien qu'elle soit là. Donc, il y a grosso modo, à quelque près, une dizaine de amyloses héréditaires rares qui touchent tous les organes. Donc, vous voyez que ce n'est pas énorme en termes de nombre d'amyloses héréditaires rares systémiques. Mais ça veut dire qu'elles sont rares et en plus, il y en a quand même une dizaine, ce qui rajoute de la difficulté. On va passer à la diapositive suivante. Donc, ici, c'est une table issue d'une publication d'un grand journal anglais avec des Américains qui ont montré
les principales amyloses qui sont classées. Donc vous reconnaissez en premier, bien sûr, la AL, ensuite vous reconnaissez la TTR, et puis ici apparaissent celles qui font partie des amyloses héréditaires rares multisystémiques. Voilà, ça c'était sur une des classifications. Donc aux États-Unis, quand ils regardent parmi, ils ont fait dans un des très grands centres où il y avait 4000 patients qui avaient eu une analyse pour typer leur amylose, vous voyez qu'il y a une très grande majorité de AL dans ce centre américain. Ensuite viennent les TTR et dans les autres, alors les AA un petit peu, dans les rares il y a la ALECT, et puis dans les autres vous voyez qu'il y en a un grand nombre. Alors ici il n'y a pas que celles qui sont systémiques dessus, mais vous voyez que ce qui est intéressant, c'est visuellement de voir que c'est un camembert avec plein de petits, de petites couleurs. Ça veut dire qu'il y en a un grand nombre. Donc ici, c'est la table où on voit bien écrit. Vous voyez ici, c'est leur dénomination. Ici, c'est le nom du précurseur qui va se déposer, donc de la protéine. Ici, c'est le nom de l'amylose. Donc il y a plusieurs amyloses à polypoprotéines. Il y en a d'autres, notamment le lysozyme. Et donc vous voyez qu'il y en a plusieurs. Leur diagnostic reste histologique. Alors, quand je dis histologique, ça peut être par les techniques d'immunohistochimie, mais ça peut être aussi, bien sûr, par la protéomique. Et ensuite, il y a une confirmation par de la génétique. Je ne me suis pas étendue. Ça peut être, bien sûr, un Sanger si la famille est déjà connue, ou ça peut être d'autres techniques, que ce soit de séquençage de nouvelle génération, exome ou panel. Cliniquement, j'ai fait une présentation extrêmement simple, hein, et nous avons Franck ici. Principalement, c'est une présentation, ce qui va les amener à la sévérité néphrologique, avec des patients qui ont une insuffisance rénale qui peut les conduire parfois à la dialyse. Mais vous voyez à droite, il y a d'autres manifestations qui témoignent de l'atteinte systémique, hein, parfois le cœur, sinon la peau, les muqueuses, le tube digestif, notamment dans l'amylose du lysozyme. Donc, on va maintenant faire le dernier quiz. Selon vous, maintenant que vous savez ce que c'est que ce sont ces amyloses héréditaires rares, quelle est la proportion d'amyloses héréditaires rares en France ? Donc, nous avons 1%, de 2 à 5%, 10%, 25%, 40%. Allez-y, faites vos jeux. Vous pouvez voter. Alors, continuez. Alors, comment ça se fait qu'on ne voit pas les votes ? Je vais recommencer. Ah, ça monte ! Donc en fait, à chaque fois que je tourne la roue, parce que c'est la première fois que j'utilise cette modalité, c'est une nouvelle modalité sur Booklap. Donc je vous laisse voter encore un petit peu. Je ne sais pas combien de minutes on a. Oh, c'est bon ! Non, parce qu'en fait, vous devez voter et après, ça s'affiche. Parce que ça, la solution... Ah oui ? Ah oui ! J'apprends. Eh bien, non, parce qu'en fait, c'est une modalité, mais j'apprends avec vous. Ouais, l'option... Voilà, en fait, elle s'annule. Donc, en fait, la bonne réponse, c'était, on peut faire à main levée, qui vote pour 1%. Il y a quelques bras. Entre 2 et 5%, il y a plus de bras. 10%, 25%, Sophie, et 40%. Voilà. Donc 40%, on est plus sur la AL et la TTR wild type. Et donc la bonne réponse était entre 2 et 5%. Vous étiez plutôt pas mal. Et du coup, je vous ai montré ici les chiffres de la BNDMR. Bon, donc pour ceux qui ne connaissent pas cet acronyme, dans les centres de référence maladie rare, on le connaît bien. C'est la base de données maladies rares qui nous a demandé, pour la nouvelle labellisation, de déclarer tous les cas de nos maladies rares et notamment les différentes amyloses. Et donc, vous pouvez voir ici, j'ai fait une façon de montrer qui est plus simple après. Donc, il y a environ 70 patients qui sont rapportés par les centres de référence. Hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a que 70. Parce qu'il y en a probablement qui sont suivis et qui n'ont pas été rapportés par des centres de référence. Donc ici, j'ai fait une petite pyramide inversée. Donc vous voyez que les AL et les ATTR wild type en France sont de loin les plus fréquentes. Ensuite vient la TTR mutée, et ensuite la AA et les héréditaires rares. Et c'était pour ça qu'on voulait faire cette petite présentation, et qu'il me reste pile le temps. Donc la problématique, c'est qu'il y a probablement une bonne centaine de patients en France, peut-être sous-diagnostiqués. On va en parler peut-être tout à l'heure. Il y a plusieurs variétés, vous l'avez vu. Il y a plusieurs familles quand c'est des formes notamment dominantes.
Et du coup, ma dernière question est celle-ci. Y a-t-il des traitements spécifiques pour les amyloses héréditaires rares en dehors de la TTR, selon vous ? Vous avez le droit oui, pas encore, et je ne sais pas. Mais ce serait bien si c'était je ne sais pas, mais que c'était oui. Donc majoritairement, soit vous ne savez pas, il y a quelqu'un de très optimiste qui a dit oui. Et peut-être qu'il va nous en dire plus, peut-être qu'il y a quelque chose en développement. En tout cas, nous avons à peu près un tiers des personnes qui ont joué et on a presque atteint le temps, on va laisser encore quelques instants. Donc on est majoritairement sur pas encore, c'est intéressant aussi pour nous. Et aussi sur je ne sais pas. Donc ça veut dire qu'il y a du travail d'information. Et donc il n'y a pas de traitement spécifique à ma connaissance, ou peut-être en développement, mais il n'y en a pas. Et c'était la raison pour laquelle nous voulions parler de cela. Donc dans le futur, il faut limiter l'errance diagnostique chez ces patients. Et vous avez vu l'importance d'un typage et puis éventuellement la génétique et de développer des traitements spécifiques. Je ne sais pas si David Adams est encore là, mais on a eu une discussion. Ouais. On a eu une discussion au dernier congrès des maladies auto-inflammatoires de l'amylose ensemble à Heidelberg et qu'il faudrait, dans l'idéal, qu'il y ait un processus comme ce qui s'est passé pour les TTR wild type dans ces amyloses héréditaires rares. Et je vous remercie de votre attention et au nom de tous les patients qui ont ce type de maladie et pour lesquels, et pour vous et pour nous, c'est extrêmement frustrant de rien pouvoir proposer. Voilà, merci de votre attention.